Mesdames et messieurs, bon, c'est bien fait, on se retrouve au Brawl Stars. Et si vous aussi, vous voulez être derrière mon écran, voilà, et acheter, enfin, montrer votre séquence achat avec le code créateur BFA dans la boutique, comme c'est abonné, c'est à bfapsk@gmail.com qu'il faut envoyer vos enregistrements d'achat et vous passer dans les intros. Donc, ça bien, ça tourne, chaque intro, nouvel abonné, etc. Petit pouce bleu, si vous kiffez la série qui va arriver. Aujourd'hui, on est sur la caverne bouillonnante pour s'exercer à Serial Killer, le tueur en série. Je vais me faire... Sûrement, à un moment donné, je vais me faire tuer par quelqu'un. Ce quelqu'un, on regardera son brawler, on le prendra éventuellement avec le skin qui va avec, s'il avait un skin, et on rejouera la game d'après, ainsi de suite. Et on essaye d'être positif. Voilà. Si je perds des trophées, j'achète un truc dans le shop. Quoi, je sais pas, mais il faut que j'achète un truc dans le shop, ça va faire mal. Ça va faire mal. On est parti. Faut que je vous avoue un truc, je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ça. Ça va faire, comment dire, ça va faire débat. J'ai très peur de votre réaction et tout. Je suis devenu un teamer, les potes. Les gars, je kiffe le teaming, c'est un truc de ouf. Alors, pas avec. Enfin, si, peut-être avec lui, non? Il veut pas. Il veut pas. En vrai, je te jure, je suis sympathique. Je vais le défendre, je vais le défendre. Non, non, tu tues pas mon pote, tu tues pas mon pote. Laisse mon pote tranquille, laisse mon pote tranquille, je suis un teamer. Je suis un teamer moi, voilà. Je suis un teamer, tu le laisses. Pardon, désolé. Désolé frérot, désolé. Je suis devenu un teamer les potes. Il me laisse la caisse. En fait, voilà, en fait, je pense que dans le teaming, il y a les gars comme Dynamite, les plus démunis. Il faut les aider mec, il y a un Edgar qui lui saute dessus, je trouve ça inadmissible. Ok. Alors ça va faire débat les potes, mais je vous ai dit je ferai une vidéo sur ça. Il est où mon pote Dina, je vous jure, j'aime trop ça. C'est trop, j'ai pris c'est l'addiction. En fait, je ne jouais pas en je suis un joueur de brawl ball les potes. Basket, brawl ball, machin. Je suis pas un joueur de survivant, vous le savez, je vous l'ai dit pendant des années. Du coup, je me suis mis à... Qui c'est qui l'embête? Ah lui là, c'est lui qui l'embête. Toi, t'as voulu toucher mon Dina. Voilà. Ah purée, lui, c'est pas mon Dina à moi. Les potes. Les potes, il a pas compris. Waouh, wow, par contre, là, je suis en galère. Hop, hein. poteau, je suis là. Je suis le frérot, moi. Je suis le frérot. Ah, il l'embête. Oh, les deux Dina. Oh non, frère, faut teamer, vous êtes une famille. Ok, si Axel regarde cette vidéo, il regarde. Il va être en colère. Il est anti-teamer. Je sais, je comprends. Mais il faut comprendre aussi que nous aussi, on veut une vie sociale. On veut une famille. On veut défendre les plus démunis. Il reste que 3 personnes. Hein. Là, je crois qu'on team plus. Ah purée, voilà, je me suis fait buzzer. Alors là, pour le coup... Bon, on n'a pas perdu de trophée. Bon, vous avez vu, je joue les brawlers à 620, machin. J'ai pas pris les petits à 500. Et je fais, on joue tout ce qu'on veut, on s'en fout. Bon, si on tombe sur du 900, on va galérer. Parce que j'ai jamais joué du 900 en survivant. Mais voilà. Donc, on doit prendre buzz. On doit prendre buzz. Alors buzz, les gars, je crois que dans le teaming, c'est la plus grande des familles qui soit buzz. D'ailleurs, buzz, il est à 741. Je l'ai monté à 750 en survivant solo. Gentiment les potes, j'ai teamé grave, vous allez me tuer, je sais pas, je vous dis la vérité, ok, tout ce que vous voulez, dites-moi la vérité, vous, en commentaire, chacun qui prenne son courage à deux mains et qui dise je suis un teamer, je ne suis pas un teamer, je veux savoir, parce que en vrai, quand on est dans le jeu, il y a plus de teamers qu'il y en a pas, ou en trophée, ne me dites pas que je suis quand même le seul abominable. Après, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? En même temps, le jeu, il est fait d'une manière qu'ils n'arrivent pas à le faire. Donc si on pouvait me dire, ouais, tu reportes, tu machin, je jouerais le jeu. Elle, je vais pas teamer avec elle. Moi, je team qu'avec les requins. Alors là, je vous... Parce que le teaming aussi, il y a des règles. Hein. Il y a des règles. Ils sont mes poteaux. Ils sont pas là, les poteaux? Voilà, lui, c'est un poteau. C'est direct, c'est sûr, c'est un poteau. Regardez. On est la team. Donc, on défonce le gars. Bon, c'est vrai qu'après, il... Ouais. Alors, il dit, ouais, mais le gars, le beau, il est tout seul, il a pas de famille. Oui, mais quand t'as... Beau, t'as des maps. Ou faut y aller. Bon, tu me diras, c'est là, faut y aller quand même, c'est quand même caravane bouillonnante. Faut y aller en survivant duo. Voilà. Par contre, la Shelly, c'est le problème. La Shelly, elle peut tous nous 1v52 là. Waouh, waouh, waouh. Gérer la Shelly, ça va être compliqué. Ok. Et où, frérot? Ok. La Shelly, même à 1. Hein. Même à 1, elle est relou. Donc, on est vraiment à une bande de requins. Je sais ce que tu vas dire, je suis un requin. Vous connaissez la ref ou pas?
Et puis, alors ouais, en plus, moi, je suis un peu... Bah, ça dépend. Chut. J'allais dire, je suis un peu le trouillard dans la bande, mais ça dépend. Lui, il y va. Lui, il y va. Il y va. L'autre, il y va en deuxième. Vous avez vu, c'est tout... Ah, c'est tout stratégique. Hein. C'est stratégique. Hein. Il m'a frappé, mais attends, moi, je team, les potes. Hein. Je suis des vôtres. Hein. Il a cru que j'étais un faux, je crois. Ok, le mode de jeu n'a plus rien à voir. Non, mais je veux dire, c'est un grave jeu. Ah, le Dynamite, du coup, c'est... Ouais, bah ouais, là, du coup, c'est pas mon pote, hein, que ce que je vous dise. Ok. Oh là, Shelly, elle a un ulti. Attendez, je vous jure que il serait pas à 750... Waouh, 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 waouh. Je vous jure, il serait pas à 750 PR, le buzz, on pourrait le jouer autrement. Là, mais en fait, passer 600, c'est... Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, oh, ok. Allez, c'est parti, ça veut dire que c'est la mouille. Ça y est, il a compris que ça se jouait maintenant. Bon, je me suis fait tuer par un buzz encore. Hein. Et vous voyez que c'est ça qui est malhonnête, c'est que ça fait plus 6 TR. On en a rien foutu de la game, les potes, on a pris plus 6 TR. Donc c'est vrai qu'il faudrait que ça arrête. Hein. Je suis d'accord avec vous, il faudrait que ça arrête. Mais tant que c'est pas arrêté, en fait, vous avez le choix de dire je joue plus à ce mode de jeu. Parce que là clairement, qu'est-ce que tu veux faire? Là, j'aurais pris un beau jeu dans cette game-là. Avec 50 milliards de buzz qui te truquent. Si tu veux, hein. Au début on peut se faire pote, mais on va se trahir au bout d'un moment, c'est obligé, parce que je pense qu'il y a trop de la famille qui est dans le centre. D'ailleurs on va arriver, c'est la règle, on sort les lunettes à rayon X pour voir qui de l'ami fait là. Y'a personne, c'est un truc de ouf. Normalement il y en a des tonnes. Hein. Ok, il y a de la Shelly, hein. Ouais, y a de la Shelly, ça c'est un peu embêtant. Ok. Le poteau. Ok. Le poteau. Le problème, c'est que va falloir claquer des visions après, mais j'ai pas envie de les claquer tout de suite. Ah, il y a la chier, je crois, elle est pas assez barrée. Hein. Après, c'est risqué, hein, mais bon. Voilà. Alors, on a pris pareil le rechargement. C'est vrai que là, en vrai, on pourrait prendre le Star Power avec une demi-seconde de plus sur le. Va falloir claquer le primo, je pense. Ça va, là, bon, il est neuf quand même. Hein. Là, il y a du monde. Hein. Ouais, ouais. Il y a du monde, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est compliqué. Faut voir, on va voir. Mais je sais pas, je vois. Il y a pas. Une énorme team de buzz là, non? On n'est pas une énorme team de buzz, mais je vous jure, des fois là, à ce niveau là, on peut être 50. 50, j'exagère. On peut être genre, allez, 8 buzz des fois. Dans la même game, là on est 3 seulement, j'ai l'impression. Ouais, il sent que lui, il est en PLS, il a pas de. Il a pas de box. Ok, on a 7. La question c'est. Ouais, faut y aller là. Allez, j'y vais sur lui. Allez, lui il termine normalement. Ah, c'est moi qui termine, hein. Voilà. Allez, je suis obligé un peu d'action quand même. ça va frérot. Ok. Ah ok, c'est fini, c'est la guerre contre... Allez, il faut que je m'en tape un. Il faut que je m'en tape un, je suis obligé. Lui aussi va arriver, lui il est faible. On y va, il est faible. Voilà, il est faible. Ça y est, c'est le moment de la trahison. Bah ouais, c'est après, c'est ça. Après, c'est... on est des racailles un peu. Ah oh, merde, j'ai raté mon... What? Qui s'est passé là? Bon voilà ce que c'est d'être un... Voilà ce que... voilà ce que c'est que d'être un teamer, les potes. C'est des fritéaires... C'est des fritéaires... démérités. Ça dépend. En vrai, ça dépend. Bon, là on est sur la carte bouillonnante, faut dire aussi que... Faut dire que Buzz est insupportable. Limite, faudrait pouvoir ban le brawler dans beaucoup de maps solo. Hein. Dans cette map là, dans Terre Brûlée aussi, dans 2-3 maps en fait. Il n'y a que la map super ouverte là que ça. Les têtes de Mila comme on avait. Alors, du coup, j'ai monté Eve. Alors, du coup, c'était le gang des Eve. Voilà. On a fait un gang des Eve. Là, je vais claquer. On va voir ce qui se passe. Là, ça a l'air. Je sais pas, là, on a pas un super start. Tu me laisses ma caisse, s'il te plaît. Ok, merci. Normalement ça va, c'est tigeant hein, les buzz, normalement début de game ils vont pas chercher, c'est rare, on peut tomber sur un os, mais ça va pas chercher l'embrouille. Le primo il est dans la sauce là, il va se faire déchiqueter je pense. Hein. Et là il s'est barré, ouais je pense qu'il a mieux fait, ouais, lui dans son intérêt il faut qu'il trouve un gang de primo, le problème c'est qu'il va pas trouver un gang de primo. Voilà, il faudrait vraiment qu'on se fasse buter par un primo. Ouais non lui je pense qu'il fait du fun. Ouais ils veulent se lâcher défense. C'est la danse, c'est la danse des requins. Moi, je trouve qu'on est une bande de requins, là, comme ça, là. Et on attend, sagement. Regarde, il a pêché. Il a vu quelque chose, il a vu un poisson. Dès qu'il y a un poisson, les potes,
Ok, il y a un Brock. Alors le Brock. Ah, il y a une team de Brock. Ah, regardez, il y a une team de Brock. En fait, c'est du 4v4 là. C'est-à-dire, il y a les Brock Primo contre les Buzz. Ils savent qu'on n'est pas de la même famille. C'est deux mafias différentes. Mais moi, est-ce que. Oh, je pourrais me le faire en vrai. Vas-y. Oh, après, je suis dans la sauce par contre là. Ils pourraient me finir. Ils peuvent me finir, mais ils me finissent pas. Parce que je pense qu'ils veulent encore avoir besoin de moi pour. J'ai pas pris les caisses, hein. J'ai pas eu. Là, j'aurais pu clair. Ils auraient pu me finir. Waouh! Aïe! Waouh, ça part en sucette. Ça part un peu en sucette. Il y a des buzz qui se sont tapés. C'est pas le moment de se taper, les potes. C'est pas le moment de se taper. On a encore buzz. Il y a encore deux primos. Il y a un deux primos et quoi? Encore un. Waouh, ça y est, il y a un traître dans la nation. Et voilà! On s'est fait traîtrer. Je crois que ça rapporte des trophées quand même, hein. Ouais, ça rapporte un petit plus un quand même. Ok. Purée, faut rejouer Buzz, les potes. Quand est-ce qu'on va se faire tuer par autre chose qu'un Buzz? C'est insupportable. C'est le problème de la map, hein. C'est, j'avais une chance sur je sais pas combien de me faire tuer par un Buzz, et puis après, ça y est, quoi. Après, t'es la famille. Waouh, ok. Je peux me faire tuer par une Shelly. Waouh, ouais, ok. Ça me saoulerait, je vous cache pas, parce que je déteste jouer Shelly. Ça veut dire que. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des gangs de. Oh, purée, regardez-moi ça. Oh, le trésor de Rackham le Rouge. Incroyable. Bon, je sais, vous aimeriez bien que je perde un ou deux TR. Salut toi, frérot. Est-ce que c'est un vrai teamer ou pas, lui? Ouais, bah, je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Voilà, le bulle. Alors, on pourrait retrouver un petit. Oh, la Shelly, c'est relou. Oh, la Shelly, je crois qu'elle a. Oh, la Shelly, elle a. Elle a vu quelque chose. Le problème, c'est que là, je suis pas bien, là. Je suis pas dans une super position. Je crois que je vais. Ah, purée! Ah là là là! Ah là 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 là, voilà. Je me suis dit, il fallait que je claque la vision. Du coup, j'ai perdu des TR. Ah, du coup, j'ai perdu des TR. C'est pas à ce moment-là de perdre des TR, ça vous fait plaisir. Du coup, faut que j'achète un truc. Ça a bugué, mais regardez en haut à droite. Il y a 990 gemmes, il y en avait 820. J'ai acheté 510 gemmes. Ça va, un petit 12 balles pour une défaite. Ça va, ça me paraît ok. Du coup, il faut prendre Shelly, les potes. Shelly. Ça m'arrange pas des masses, par rareté. Bah, testé en haut en plus. Shelly, ok. Du coup, on va essayer de voir. Bon, on a une bonne configuration au niveau du truc. La petite goutte éventuellement. Ça mériterait peut-être une petite larme. Non, petite larme ou le cœur préféré? Je sais pas. Non, elle va être la sorcière même. Ok, tag, et on a le pansement. Et on est bien sur le reste. En vrai, les teamers, ils ont souvent ça comme tag. Ou alors la croix pour dire qu'ils sont pas d'accord. Mais ça, c'est les anti-teamers. Et du coup, au niveau du skin, elle avait un skin. Elle avait pas de skin. Hein. Mais bon, on va quand même prendre un skin, on va se mettre en princesse. Voilà, peut-être ça va plus impressionner les gens. On a 492 TR. Ça va pas être la même ambiance. Je pense que ça va pas être la même ambiance. Là, du coup, les gars, je team pas. De toute façon, personne ne voudra teamer avec moi. Ah, ok, lui, il veut pas. Ok, ça s'est dit. Waouh, il pique. Je suis habitué à tourner, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je crois que je vais me casser. Les personnes, on est d'accord? Ouais. Je crois que je vais me casser là. On ferme les caisses. Hein. D'ailleurs, regardez, il y a un spawn ici de caisses à chaque fois. On l'oublie, mais il est hyper important. Caverne Bugonaut, les potes, en haut à droite. Si vous spawnez sur la droite, allez voir. Le gars qui spawn un peu en dessous, il oublie. Top 2. What the hell, les potes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette game? C'est quoi cette game? On dirait c'est les games de tuto là. Tu fais tes caisses et tu te retournes, il n'y a plus qu'une personne. Vous pensez que c'est qui? Bah, je vais gadget hein, direct. Hein. Les potes. Ok. Personne. Ok. Ah, il est là. Bon, bah, je vais le cuire. Ok. Du coup, c'est validé. Mais ça me saoule un peu. Faut rejouer Shelly, les potes. Ah là là, mais c'est pas une vidéo rush de base. J'aurais bien voulu jouer Brock, en vrai. Quoique, mon Brock, je sais pas comment il est, mais je vais souffrir. Vous avez vu les Brock là? Ils sont juste teamés avec Primo contre le gang des Buzz. Après, il y a eu trahison trop tôt. Normalement, les vrais beaux gosses. Dans le code, dans l'éthique, dans la doctrine et l'éthique des teamers,
normalement, tu butes d'abord tous ceux qui sont pas de ta famille avant de buter des gens de ta famille. Ou alors s'il est vraiment très low. C'est genre un peu... Waouh. Et je suis dans la sauce. Il est gentil en fait. Ok. Waouh. Heureusement que j'ai le loto shoot du super facile. Hein. Parce que là on vient de déboîter un boule quand même. C'est vraiment. Bah Shelly c'est vraiment cheaté hein, quand même sur ce genre de truc. Hein. Une Shelly bush comme ça, tranquillo, là, elle est bien. Non mais c'est pour ça, elle peut même anti-buzz et tout. Mais par contre, je pense qu'il faut avoir un petit level de Shelly quand même. Moi je l'ai tellement pas pratiqué que. Je pense que gérer les buzz, mais vous avez vu les buzz, comment il la gère? Il y en a un qui va, il a stun, il a mélo, il peut pas la finir, des fois il peut même en crever. Il faut que le deuxième arrive derrière, il faut s'y mettre à deux quand même. Quel que soit son nombre de popos. Lui il a compris qu'il y avait une embrouille. Je suis d'accord, ça mériterait peut-être même que... Ah non. Ça aurait pu mériter un petit gadget pour le saouler, mais vu qu'il a les murs, je vais pas le gâcher maintenant je pense. Ok, ça c'est cool ce qui se passe là-bas. Oh le poco qui tient. Oh non, les potes, tués par une Shelly, il n'y a pas eu de... Oh là là, là 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 là. Bon, la petite dernière. Bon, l'avant-dernière. C'est comme ça si on se fait tuer par quelqu'un d'autre. Bon, j'ai rien à foutre, j'ai rien. Ok. Y'a qui à gauche, là? J'ai pas vu. Oh, lui, ça peut me saouler. Lui, ça peut me saouler. Ok. Ok, qui peut être très très saoulant. S'il est bon, il peut être saoulant. Il a pas l'air super bon parce que je pense qu'il m'aurait alpagué, il m'aurait pas lâché. Ouais, je l'ai eu LCS. Waouh là là, le Nani, les potes. Ok, on s'est fait tuer par Nani, mais limite on est content. Ah non, moins 2. Bon, vas-y, faut acheter un truc dans le shop. J'achète un coin doubleur. Voilà, 3711, j'ai acheté, j'ai respecté, mais je peux pas acheter les skins, je suis pas prêt psychologiquement en fait. Hein. Nani, ok, Nani, on le met beau gosse, il est beau gosse, ok. L'enveloppe, c'est bien ou pas? Je sais pas. Ici, autofocus, bip, inflige jusqu'à 1100 points de dégâts, nanana, je sais pas quoi. Et là, Nani subit 80 points de dégâts en moins quand son super est activé, ça peut être bien sans en penser. Ouais, ouais. Bip, inflige jusqu'à 1000. Ouais, je pense que je vais prendre les points de dégâts supplémentaires et puis je vais jouer... Je joue moins défensif pour la beauté du jeu. Voir jusqu'où on peut faire avec Nani sur cette map. Pff, moi je trouve que le survivant, franchement, c'est, on peut pas. Ouais, yaya. Bon, on s'est fait buter par un Nani quand même, hein, je veux dire. Mais on s'est fait finir par un Nani. Ok. Ok, 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 elle va me saouler. Nous, on sait qu'en haut il y a un spawn. Il l'a trouvé lui, non? Ouais, il l'a trouvé. Il veut vraiment teamer. Frère. Ah non, il veut pas teamer, ça. Hein. C'est Axel. Ah les potes, on est tombé sur Axel. Le Axel russe qui l'a fait semblant, on s'est fait avoir. Voilà, voilà ce qui arrive aussi. Voilà ce qui arrive quand on est un teamer. Bon, voilà. Bon, on en discutera. Je ferai une vidéo spéciale pour ça, sur une autre map. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Comment dire? Mea culpa, mais j'ai pas fini encore de teamer. À la prochaine. Ciao, ciao.